à Paris dans son beau ministère, ministre mouillé dans des affaires, et bien qu'aucune il ne confesse, pense aux caisses de retraite qui s'affaissent, aux Français qui ne pensent qu'à leurs droits et qui viennent les défendre plus que devant chez toi. Pour essayer de les avoir, ministre était plein d'espoir. Il a fait une loi bien complexe, avec un bon paquet d'annexes. Mais le français est une tête de lecture et ça n'a pas marché. Ce ministre est une ordure. Les syndicats pourraient comprendre les riches qu'on ne peut rien leur prendre. Et les travailleurs qui s'excitent, peu importe là où ils habitent, ils veulent tous avoir une grosse retraite. Et puis des 60 ans, ils n'ont que ça dans la tête. Ce modèle d'honnêteté voudrait profiter de l'été. Il prend le peuple pour des andouilles, profite qu'à la mer il se mouille. En vacances il se vide l'esprit, oui mais dès la rentrée les affaires ont repris. Lui et ses copains milliardaires mettent en cours César ou Lagardère. Ils veulent tout planquer dans leur bulle, vois pas pourquoi on gesticule. On ne veut pas qu'ils nous enlèvent nos droits et nos moyens, c'est pour ça qu'on fait.